Nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent, le temps de la venue du Seigneur. Dieu nous rappelle qu'il veut rassembler toutes les nations autour de son Fils Jésus lors de son retour parmi nous. Ce sera un jour de grande joie qui verra la fin des guerres et jaillir la lumière. Pour nous y préparer, Jésus nous invite à veiller. On demandait à l'abbé Pascal de venir allumer la première bougie de l'Avent. Intention de messe pour aujourd'hui, messe à l'intention de tous les fidèles par notre pasteur, Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, parents défunts, Pauline et Magella Blais, Julien Aspiro. Merci à Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse et une autre à Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Nous voici déjà rendus à la fin de notre neuvaine à la médaille miraculeuse pour cette année. Je voudrais remercier les membres de l'équipe pastorale paroissiale, du conseil de fabrique et de la chorale qui ont aidé à faire de cette neuvaine un véritable succès. À Éric Robert-Joseph de la télévision communautaire de Saint-Gaudefroy pour avoir accepté de se déplacer en ce samedi soir pour l'enregistrement de la messe. À M. l'abbé Guy Loisel pour avoir célébré les messes d'ouverture et de dimanche dernier. À l'abbé Pascal qui nous est revenu de ses vacances juste à temps pour célébrer cette messe de clôture de notre neuvaine. De plus, je voudrais profiter de l'occasion pour lui souhaiter un joyeux 18e anniversaire d'ordination sacerdotale, anniversaire qui aura lieu demain. Et à vous tous qui vous êtes déplacés soir après soir, malgré la mauvaise température, avez participé à cette neuvaine avec tant de piété et de dévotion, ce qui en fait un véritable succès. Je veux vous dire merci. C'est avec joie que nous vous retrouvons année après année. Encore une fois, merci à chacun et chacune. Bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chaque année, nous nous retrouvons ici pour célébrer et honorer Marie à travers la prière à Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Je remercie les uns et les autres, surtout le comité de la liturgie pour avoir su bien préparer cette célébration pour ce soir. Merci à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous qui avez pris de votre temps pour venir prier Marie ici dans ce sanctuaire. Marie intercède toujours pour nous et elle continuera toujours d'intercéder pour nous. Prions-la intensément et demandons-lui d'obtenir auprès de Jésus les grâces dont nous avons tous besoin. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
Prions. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur notre Dieu, par son intercession, d'avoir part à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, louez. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manquait de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 genres de pierres pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les genres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Ils leur dirent, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous clôturons aujourd'hui notre neuvaine à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Merci à tous ceux et celles qui nous ont préparés à vivre dans la prière ces 9 jours consacrés à Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Je voudrais saluer et remercier tout particulièrement le comité de liturgie avec à sa tête notre présidente de fabrique, Joanne Savoie, dont je salue le dévouement. C'est Joanne et son équipe qui ont contacté Télévague qui transmet cette messe de clôture que je célèbre depuis la paroisse Saint-Étienne de New Carlisle. Frères et sœurs, je voudrais, dans mon homélie toute brève, attirer notre attention sur la discrète intercession de Marie dans nos vies. Nous venons d'écouter l'évangile de Jean, Évangile dit des noces de Cana. Cet évangile nous montre le premier signe que Jésus a donné. Ce premier signe dans l'évangile de Saint Jean est donné à la demande et à la prière de la Vierge Marie qui intercède pour que la fête ne soit pas complètement perdue en raison du manque de vin. Marie intercède avec discrétion. Elle intercède avec confiance et elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Marie force un peu la main de Jésus. Marie force un peu la main à Jésus de venir au secours de cette famille dans laquelle ils sont invités.
Cette intercession toute discrète de la Vierge Marie, nous la trouvons tout à fait humaine, comme nous avons sans doute, au cours de notre vie, connu bien des occasions de rencontrer des gens qui, vivant dans une situation difficile et ne trouvant pas de solution, se tournent vers les autres pour dire « Pouvez-vous faire quelque chose pour nous ?» Nous nous tournons donc vers Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, et nous venons non seulement lui dire nos soucis, nos peines et nos échecs, mais aussi et surtout, nous venons lui dire nos joies et nos réussites. Marie, non seulement garde nos soucis, nos peines et les médite dans son cœur, mais aussi et surtout, elle les porte à son fils Jésus et le supplie instamment de faire quelque chose afin que sa demande soit prise en compte. Frères et sœurs en Marie et en Jésus, bien sûr, nos problèmes seront pris en compte discrètement par Marie. Nos soucis seront pris en compte secrètement par Marie. Continuons de prier Marie. Elle intercède toujours pour nous qui sommes ses enfants. Amen. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, tu viendras juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande de veiller dans l'attente de son retour. Laissons monter vers lui notre prière pour notre monde, pour notre Église et pour nous-mêmes. Après chaque intention, vous pourrez répondre : Fais jaillir sur nous ta lumière.
pour le pays actuellement éprouvé par la guerre, afin que tous s'ouvrent à l'invitation de Dieu à transformer les âmes en instruments de paix. Prions. Pour les hommes et les femmes qui vivront Noël sans se tourner vers Dieu, afin que le Seigneur suscite chez eux des témoins du Christ qui vient à notre rencontre. Prions. Pour les gens qui affrontent des situations de maladie, d'injustice ou de mort, afin que le Seigneur leur montre son amour et son salut, prions. Pour toutes les personnes baptisées qui ont revêtu le Christ, afin que chacune rejette les œuvres des ténèbres et se tourne vers la lumière, prions. Pour nos communautés réunies dans la prière en ce jour, afin qu'elles brillent de l'éblouissante clarté du Christ, prions. Seigneur Jésus, toi qui as choisi pour mère la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, permets qu'assurée de sa protection, nous puissions l'honorer d'un cœur joyeux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, ce sacrifice de louange et de pardon. Accorde-nous, par cet échange merveilleux, d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et qui nous assurent de ton secours. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et dans la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Gaëtan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement pour les parents défunts de Pauline, pour Julien Aspiro et pour tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi et qui dorment dans la paix du Christ, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous allons réciter le Notre Père en communion avec Anne-Marie qui demande cette messe en l'honneur de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Nous prierons également avec Madone et Charles. Nous prions également avec Clémence Chiuna et nous prierons ensemble les uns pour les autres, afin que Marie, notre mère, soit toujours à notre côté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que cette communion guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie grâce au privilège de sa conception immaculée. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Notre-Dame de la médaille miraculeuse, de toute éternité, tu as été choisie par Dieu pour devenir la mère de son Fils. Tu as reçu par le fait même un pouvoir unique sur le cœur de Jésus. Au pied de la croix, tu es devenue notre mère à tous et pleine de tendresse pour tes enfants de la terre. Tu nous invites constamment à te prier en toute confiance et humilité. Aussi voulons-nous te présenter toutes nos intentions personnelles. Nous te prions, Vierge Marie, pour la paix dans le monde et pour l'unité de l'Église. Nous te prions pour nos familles, nos malades, pour toutes les personnes qui souffrent. Nous te présentons en particulier les jeunes qui cherchent, afin qu'ils découvrent par toi le seul chemin du bonheur. Jésus, lumière, vérité et vie. Mère de toute bonté, tous et toutes, nous nous jetons dans tes bras. Obtiens-nous les faveurs et grâces de nos demandes. Garde-nous toujours dans ton nom de Dieu, pour qu'un jour la grande famille humaine soit rassemblée avec toi, dans la joie du Père, avec son Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons un pauvre. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons un pauvre. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons un pauvre. Encore une fois, merci à tous et à chacun d'avoir pris part à cette célébration de ce soir. La Vierge Marie, Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, continuera de veiller sur nous et de recevoir toutes nos demandes, tous nos désirs, tous nos projets et les présentera à son Fils Jésus. Merci, merci et mille merci. Et cette célébration de ce soir coïncide aussi avec le premier dimanche du temps de l'Avent. Alors voilà, nous continuons à nous porter dans la prière. Nous continuons à prier, à attendre
le Messie qui vient à nous à Noël. Que ce temps de l'Avent soit donc un temps d'espérance pour chacun et chacune de nous. Le Seigneur soit avec vous. J'oubliais mon anniversaire d'ordination, Joanne l'a rappelé, et puis la chorale aussi. Portez-moi toujours dans vos prières, ça fait 18 ans demain que j'ai été ordonné avec 8 de mes collègues. Il y a un qui est déjà dans l'éternité bienheureuse, il s'appelle Marcelin Amendrana. Portez-le dans vos prières afin qu'il repose en paix. Et nous qui sommes encore ici, en pèlerinage sur cette terre, continuons la lutte et la victoire sera à nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bye bye. Allez, merci. Merci Télévague. Merci beaucoup, merci Eric, merci bien.